Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Glitch Fun. Ça allez les potos, on vous a un glitch pour les plaques blanches, facile à faire. Donc après vous pourrez reprendre les duplications comme hier ou continuer avec ce glitch là. Vous pourrez voir la vidéo dans la chaîne. Je vous ai sorti le glitch de la même méthode. Voilà. Donc c'est parti, il va vous falloir le camion et mettre une RH8 dans le camion. Après il va vous falloir un complexe pour faire la manipulation, d'accord? Donc c'est simple, vous rentrez le véhicule dans le camion et on va aller le vendre. Donc parce qu'à la base, il vous faudra le camion vide pour la fin, pour la rentrée, pour rentrer le véhicule. Il faudra qu'on ait le camion vide. Donc là, je vais me diriger au custom, les poteaux, et on va aller vendre le véhicule. Donc on va le vendre à zéro, on s'en fout, on va se faire une plaque blanche qu'on pourra transférer sur n'importe quel véhicule que vous voulez. Donc ça vous remplacera les plaques custom. Et après vous pourrez faire des glitches de plaques sales. Donc faites-vous une RH8 et des guis custom rétro full avec une plaque comme ça. Et gardez-en toujours une. Ok les potos. Donc après vous pourrez faire le glitch d'hier. De duplication pareil au complexe et le camion. Donc parce qu'il est assez rapide. Et vous pourrez faire plusieurs plaques blanches sur vos voitures. Vu que vous aurez une base de plaques blanches. Impeccable, ça fait plaisir. Il est ultra facile à faire. Tout le monde pourra le réussir. Allez, je vous retrouve pour le début du glitch, les potos. Complexe, donc surtout ne prenez pas un véhicule personnel pour revenir au complexe. Le but c'est de pas avoir de véhicule personnel. Donc c'est pour ça, moi je me suis téléporté avec le braquage. Vous pouvez prendre une voiture de PNJ et retourner au complexe comme moi. Donc là je prépare une activité rapide. Je vais FPS, je vais dans profil, activité récente, acheter un nouveau véhicule, je clique dessus. Et je fais deux fois PS pour revenir dans le jeu. Et on va faire le glitch que je vous ai montré tout à l'heure. Il va vous falloir un ami qui soit dans une mission titan. Et il faudra que ou vous ou l'autre soit en session sur invitation. Pour avoir un message et pour pas le rejoindre.
D'accord? Donc, il faudra pas être dans les mêmes sessions et pas dans la même choix de session. Donc, un en public, un en sur invitation, ou alors les deux sur invitation, c'est faisable. C'est parti. Donc là, je vais vous montrer les véhicules que je vais switcher. Donc, le véhicule noir, je vais faire une plaque blanche à celle-là. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a des numéros. Surtout, ne rentrez pas dans un véhicule là, maintenant. Il faut pas de véhicule personnel avant le glitch. Et là, on va switcher la noire à la place de la violette et on prendra la noire pour faire le glitch. Donc la noire, elle va se retrouver avec une plaque blanche. Allez les potos, c'est parti. J'ai mon activité récente, elle est prête. Je vais me mettre sur le rond jaune pour sortir. Dès que je sors, je fais deux fois PS. Je vais lancer GTA Online. Je reste dans le message 20 secondes. Vous comptez jusqu'à 20 calmement. Ne le faites pas avant, sinon vous serez buggé. Donc pour ceux qui ratent cette manip, vous changez de session, parce que vous serez buggé complètement et vous allez rater à chaque fois. Donc vous rechangez de session et vous recommencez la manip. Donc là, vous comptez jusqu'à 20 secondes. Bim, là c'est bon. Si vous avez cet écran, c'est parfait. Et c'est là que votre ami va être utile maintenant. Donc lui, il va dans une mission de Titan. Il est dans une session différente, d'accord? Pas besoin qu'il soit dans votre complexe, quoi que ce soit. Il suffit qu'il soit dans sa mission Titan, vous allez faire PS, ou il est en chat party, ou alors vous allez le rejoindre dans vos amis, peu importe. Et une fois que vous l'avez rejoint, vous allez accepter les deux messages qu'on va vous proposer. Donc si vous avez une visée différente, vous en aurez trois. Vous acceptez tous les messages. Donc là, c'est parti. PS. Hop, je rejoins Booba. Bim. Donc là, vous attendez un peu. Ne soyez pas trop pressé sur ces messages. Laissez-les faire. Vous validez tous les messages. Et c'est ça qui va vous faire débugger. Donc en fait, vous aurez quand même l'écran freeze, mais vous pourrez vous déplacer. Donc surtout, faites le glitch avec les véhicules comme moi où il y a trois places dans le complexe derrière l'Avenger. Parce que c'est là que vous aurez cette vue, vous voyez. Si jamais vous mettez votre véhicule à l'endroit où vous ne voyez pas, vous ne pourrez pas vous déplacer. Allez, c'est parti. Là, je me déplace et je vais faire switcher mes véhicules. Donc il va falloir se déplacer un peu à l'aveugle. Au début, vous allez un peu galérer, après ça va aller tout seul. Donc il vous faut passer derrière l'Avenger et pour pouvoir switcher les véhicules. Vous savez, vous avez un rond bleu derrière cette rampe là. Donc en gros, c'est carrément, c'est à 90 degrés là. C'est en face à l'Avenger. Au niveau de l'Avenger, hop, vous commencez à aller vers le fond. Et après un moment, vous allez vous décaler un petit peu sur votre gauche. Faites des tests avant de commencer le glitch en cas. Et vous verrez, le chemin, il est super facile à faire. Donc vous allez galérer 2-3 fois. Après, c'est opérationnel. Vous faites flèche de droite, dès que votre menu avec vos véhicules il est là, c'est bon, le glitch il est fini. Vous avez juste à continuer la manip comme je vous montre. Et le timing il sera ici. Le plus dur c'est là. C'est de se déplacer pour aller dans ce menu de switch de véhicule. Et après de revenir pour aller faire bugger l'Avenger. Donc là, je mets un peu de temps, c'est normal. Mais on va y arriver. Donc prenez votre temps les gars. Dès que vous faites flèche de droite et que vous avez votre menu, c'est gagné. Donc GG à Kevin by Apple, c'est lui qui a trouvé la méthode. Il me la dit de suite et on vous balance de suite l'information. Donc on a fait des petits tests et bim, on a trouvé comment mettre une plaque blanche sur ces véhicules. Voilà, j'ai réussi. Donc maintenant, vous allez switcher les deux véhicules là. Donc le 3 et le 4. Hop, et on va récupérer la noire maintenant. Il me faut revenir vers l'Avenger. Donc je vais faire disparaître l'Avenger. Donc il me faut revenir au niveau de la rampe. Donc le plus dur est fait, les gars. Ne me dites pas, j'y arrive pas. Si vous n'y arrivez pas, on va vous le faire en live aussi avec Kevin. Et on vous donnera des petits conseils. Parce que nous aussi, on va commencer à le faire quelques fois pour voir un peu si on ne peut pas le faciliter. Vous inquiétez pas les potos. En tout cas, ça c'est un bon glitch. Abonnez-vous.
Comme ça, et activez la cloche, comme ça vous avez les notifications. Donc je mets la chaîne à Kevin by Apple dans la description. Un gros GG à lui. Quand je vous le disais qu'il était fort. Hein? Petit à petit là, je vous le montre. Hein? Donc là, je suis un peu coincé. Ça y est, les poteaux, on me voit là. Donc vous voyez, vous pouvez courir. Là, je cours. Mais il me faut monter devant l'Avenger. Ok? Vous montez dans l'Avenger, vous faites flèche de droite, vous déclenchez le custom de l'Avenger. Ensuite, vous allez faire rond et sortir du véhicule. Là, je fais rond, je vais sur sortir du véhicule. Et allez, bim! Ça, c'est fait. Donc maintenant, pour vous déplacer vers votre custom, vous avez juste à regarder la carte en bas. Regardez la carte en bas à gauche. Elle vous dirige. Tout seul. Et là, il y a juste une petite manip à faire. Ça sera quand on va rentrer dans le véhicule, on va se mettre devant la portière. On va faire triangle, flèche du bas et on va lancer un joueur online, en histoire, pardon. Donc Trevor, Franklin, qui vous voulez. Et on va rester sur le message 15 secondes. Voilà, sur ce message-là, vous allez rester 15 secondes. Et faites bien triangle et en même temps flèche du bas, ou sinon vous ne pourrez pas faire après quand vous serez dans le véhicule. Vous aurez raté la manip. En même temps, vous faites triangle, flèche du bas, vous enclenchez et vous lâchez flèche du bas. Et vous voyez, bim, plaque blanche, les poteaux. Allez, maintenant on va valider le véhicule. On va le mettre dans le camion. Donc on va faire demander son camion. Donc on va demander camion mobile. Boum. Dès qu'il apparaît, on va mettre ce véhicule dedans. Donc vous inquiétez pas, le véhicule il va être invisible. Vous changez de session. Et quand vous revenez dans la session, vous allez demander votre. Vous allez dans véhicule et vous faites demander votre véhicule. Vous n'allez pas le demander votre véhicule personnel dans du mock. Parce qu'il sera freeze. Allez, je vais vous montrer ça de suite. Donc là, vous rejoignez votre camion, vous mettez ça derrière et vous ressortez à pied. Donc vous n'aurez pas le choix. Le véhicule, il est buggé encore. Ok, on est sorti et maintenant on va changer de session. Donc, ce qui est bien, ça serait que votre pote soit lui en session sur Invite. Comme ça, vous avez juste à changer de session, tout simplement. Donc, au pire, vous allez dans Éditeur. Après, vous appuyez sur Start. Vous allez sur Changer votre session en invitation. Donc là, je change juste de session. Moi, je reste en session publique, ça va le faire. Donc une fois que vous allez rappeler votre véhicule avec la plaque blanche, vous le mettez dans le complexe et vous pouvez faire le glitch d'hier. Il est encore fonctionnel. Il est quand même assez rapide. Comparé à celui-là, après c'est à vous de voir si vous arrivez bien à marcher sans la vue. Vous restez sur ce glitch. Mais bon, à chaque fois, vous allez changer de plaque. Et ça ne sera pas des plaques custom. Ça veut dire donc au lieu de vendre, au lieu d'en vendre 6, vous allez en vendre 4. Donc à vous de voir. Ou vous faites ça avec des plaques de RH8 à chaque fois le numéro qui va changer. Ou alors vous faites ça comme le glitch d'hier, plaque sale avec plaque blanche et vous aurez que des plaques custom. Donc là je vais sortir, je vais vous appeler le véhicule, comme ça vous verrez bien que j'ai ma plaque blanche et les poteaux. En tout cas, ça fait plaisir de sortir un glitch aussi facile.
Les gars, abonnez-vous, un petit pouce. Parlez-en à vos potos là. Montrez-leur les vidéos, qu'ils s'abonnent aussi. Allez, essayez de nous aider à nous faire connaître. On aimerait bien doubler certains youtubeurs là. Moi, je suis chaud patate, les gars. Je suis de retour. Et là, ça y est, l'entraînement il est fini. Maintenant, on attaque les choses sérieuses, je vous le dis. Donc là, vous voyez, vous allez dans véhicule, demander véhicule personnel. Il y aura qu'ici que vous pourrez l'appeler ce véhicule. Après, il sera défrise. Hein. Après, vous pourrez l'appeler de n'importe où. C'est juste pour le faire réapparaître correctement. Voilà, les potos, c'est gratuit, ça fait plaisir, c'est que pour vous. Grosse bise. Ciao.